Accusé d'agression sexuelle, Gérard Depardieu devra répondre de ses actes devant la justice. Le 29 avril 2024, le comédien a été convoqué au commissariat de Paris pour être placé en garde à vue. Deux femmes l'accusent. La première affirme avoir subi des attouchements lors du tournage du film Le Magicien et les Siamois réalisé par Jean-Pierre Mocky en 2014. La seconde dénonce des faits similaires qui se seraient produits sur le plateau du film Les Volets Verts, dirigé par Jean Becker, en 2021. Malgré ces allégations, l'acteur de 75 ans nie toute implication dans ces événements. La seconde plaignante raconte qu'elle était décoratrice sur le plateau lorsque Gérard Depardieu l'aurait agrippée dans un couloir, utilisant ses jambes pour la bloquer. Il aurait touché ses seins, sa taille et ses fesses, proférant des paroles inacceptables. Une tierce personne aurait finalement réussi à la libérer. Depuis cet incident, elle souffre d'angoisse et ne peut plus travailler.